peut-être des réactions de Gérard Ménéro et Didier Blanchet à l'intervention d'Henri Sardignac, puis après, on est question de la salle. Rapidement, bah merci pour les commentaires. Là, effectivement, sur l'éventail des scénarios, bon, les scénarios A prime et A du corps sont pas ceux auxquels je crois le plus. Et puis, quand bien même ils se réaliseraient, ils m'inquiètent pas particulièrement. Je pense que le comité de pilotage en 2030 sera très heureux de pouvoir annoncer qu'on peut donner un peu de mou sur les retraites. Le souci, c'est plutôt le scénario C prime. Et donc, la question, c'est voilà, jusqu'à quel point est-ce qu'on accepte la légère remontée du haut taux de cotisation ou de la part des retraites dans le PIB que ça implique, sachant qu'en toute hypothèse, elle serait probablement un peu plus importante que dans les hypothèses du corps, parce qu'il y a aussi des hypothèses annexes qui ne sont pas développées, qui tirent un peu vers le bas la projection. Et ça me permet de rebrancher sur la question de l'âge de la retraite, parce que c'est des choses qui n'apparaissent pas de façon extrêmement explicite là, dans les scénarios du corps. Mais enfin, on table pour arriver à ces résultats sur des hypothèses d'efficacité assez importantes des réformes en matière de la retraite. Là, dans l'hypothèse sous-jacente, c'est qu'à l'horizon 2040, tout le monde, en moyenne, on part à 64 ou 65 ans. Alors effectivement, les réformes passées de ce point de vue-là, j'ai pas trop insisté sur cet aspect-là, ont été assez efficaces, puisque à la fois le taux d'activité et le taux d'emploi des seniors a commencé à remonter significativement. Et c'est vrai, je partage le fait que la combinaison spécifique à la France là, de ce système qui fait jouer un rôle simultané et avec interaction à l'âge et à la durée de carrière était quelque chose d'assez ingénieux justement pour essayer d'avoir des réformes qui aillent dans le sens d'une certaine équité intragénérationnelle. En même temps, le petit problème, c'est que le système finit par se heurter à certaines limites parce que les gens, ils ont tendance à additionner leur âge d'entrée dans l'emploi stable et puis la durée annoncée par la retraite à taux plein et du coup s'imaginent qu'on va leur imposer que si jamais ils ne partent pas à des âges extrêmement élevés, ils n'auront quasiment pas de retraite du tout. Donc ça recoupe la question de l'asité du système. Et puis il y a le fait que ce couple âge-durée aussi, finalement, il laisse un certain nombre d'aberrations dans le lien entre cotisation et prestation qui parfois peuvent être justifiées, mais qui parfois sont plus difficiles à justifier. Donc je pense que c'est aussi un sujet sur lequel éventuellement un peu de remise à plat peut être envisageable. Sur la question réforme systémique, points, compte notionnel, etc., moi, ma tendance, ça serait plutôt un système par points, mais plutôt avec des règles un peu rigides, puisque finalement, ce qui fait la mauvaise réputation du système par points, c'est qu'on a plutôt eu des gestions discrétionnaires, et cette idée que dans les points, rien n'est garanti, c'est un peu lié à ça, c'est le fait qu'il y a sans arrêt des accords, on a l'impression qu'on met sans arrêt les règles en cause. Donc un système par points avec des règles mieux préétablies serait un plus, à mon avis. Et puis, il faut qu'il y ait dans ces systèmes, que soit point ou compte notionnel, effectivement, qui est une composante assurance sociale, qui soit bien explicite et qui permet de, justement, l'intérêt, c'est quand même, ça permet de mieux piloter, est-ce que la redistribution va vraiment dans les directions qu'on souhaite ou est, comme dans le système actuel, elle emprunte des canaux extrêmement variés avec des effets d'interaction, on ne sait pas toujours si les résultats obtenus sont ceux qu'on voudrait avoir. Sur la... Enfin bon, tout ça, c'est pour des discussions futures, sur la question, plutôt une réaction sur Gérard Ménrou, sur la question des indicateurs, j'aurais tendance à la coupler quand même assez fortement à la question de la simplicité du système, parce qu'en fait, il est assez difficile d'avoir des indicateurs qui soient à la simple et représentatifs dans un système qui est lui-même complexe. Donc, c'est sûr que, bon, je sais bien qu'on n'y arrivera pas du jour au lendemain, mais dans un système plus simple, un peu plus unifié, la question des indicateurs deviendra également nettement plus simple. Bien. Juste une petite réaction. Je tiens à remercier Sardignac d'avoir dès aujourd'hui ouvert le débat sur les orientations et la vision du système de manière forte et marquée, ce qui est bien. Quelques petites remarques de précision. Lorsque j'évoquais des régimes particuliers, c'était des régimes du premier pilier et non ceux du deuxième ou du troisième, qui sont dans d'autres règles et qui ne sont pas dans des régimes par répartition. Même si, du point de vue social, on peut en discuter, c'est un autre sujet, c'est du salaire et non pas un système, dans le système de retraite du premier pilier qui est le sujet. Deuxièmement, sur la partie redistribution et solidarité, on constate que ce qui aujourd'hui est financé à la CNAV par CSG, enfin par la solidarité nationale, représente à peu près l'ensemble des prestations que nous avons
réussi à classer, après un travail assez fin avec l'ensemble des organisations syndicales et patronales et des services, entre contributifs et non contributifs. Et donc il y a, c'est l'effet du hasard ou l'effet d'un travail de fourmi qui a convergé, une certaine égalité entre la ressource qui n'est pas fondée sur les salaires et la partie redistributive. La partie maternité et autres, soit on considère qu'il y a des cotisations versées par les allocations familiales à la CNAV, et à ce moment-là, on est bien dans le contributif, mais ça ne peut pas aller aux crèches. Soit on considère que les sommes doivent aller plutôt à l'aide à la petite enfance pour aller vers l'avenir. Et à ce moment-là, ces prestations ne sont pas contributives, mais deviennent redistributives. Enfin, je crois que le débat doit vraiment porter sur les niveaux de vie relatifs que l'on accepte dans notre société. C'est un débat qui n'a jamais été vraiment posé et qui est même ressorti à la table. Une moyenne européenne qui est plutôt vers 70, 75, un souhait d'être entre 75 et 80. Ces deux positions tout aussi légitimes, qui n'ont pas les mêmes conséquences dans l'organisation de la société et dans les charges qui pèsent sur les uns et les autres. Et ce débat, il faut vraiment le poser. Donc, merci de l'avoir ouvert. On va prendre des questions de la salle et on va essayer de terminer à 10h30. Oui, Jean-Hervé. Oui, juste peut-être une autre remarque par rapport à ce que Henri dit. Je ne suis pas sûr qu'il ne sous-estime pas l'impact du vieillissement. C'est-à-dire qu'il y a quand même un problème de fond de société, non pas pour, on doit avoir le même âge, non pas pour notre génération. T'es plus vieux de 2 ans. T'es plus vieux de 2 ans. Il est souriant, donc il peut être beaucoup plus jeune. Mais la réalité, c'est que à 10 ans, quelle est la réalité du déséquilibre dans une société comme la nôtre? Bien malin celui qui, aujourd'hui, peut le définir. Première remarque. Deuxième remarque sur l'histoire d'hérité. En fait, c'est un sujet, puisque personne n'a aujourd'hui faire un livre de retraite par point, personne. C'est vraiment pour plaisir, hein. Pour parler de nos yeux, pour parler de copains, mais ça n'a aucun intérêt réel. Je l'ai dit, moi je suis assez d'accord avec ce que Didier dit, c'est que on peut très bien fixer des règles assez strictes, ce que tu as demandé. On dit qu'à 20 ans, on considère qu'il y a une sorte de fixité de ce que doit être la retraite, le niveau de vie relatif des seniors par rapport aux autres générations. Et par ailleurs, ça apporte plus de transparence. Or, à des mots de notre société sur le point de retraite, c'est quand même que chaque Français pense que son voisin est hérité. Donc il y a quand même un petit sujet qu'on ne peut pas balayer, transparent. Troisième aspect, qui est beaucoup plus problématique pour moi, qui n'a pas spécialement une relation avec le passage de la retraite, mais ça va beaucoup plus loin, c'est que je suis toujours stupéfait de l'idée que, certes, pour 2015, 2016, on peut avoir, pour 2020, on peut avoir une idée sur ce que sera l'évolution au bout de la croissance mondiale et des gains de productivité du travail. Dans 15 ans, personne qui a fait un peu d'histoire économique sait que c'est bien, bien compliqué. Alors, je comprends que la jeunesse te pousse à être assez pessimiste. C'est normal. Mais les vieux de mon genre considèrent qu'ils ne savent rien. Honnêtement, c'est ta perception. Tu n'as pas la queue d'une idée. C'est une intuition. Tu sens ça. Voilà, comme ça, ce sera 0,5. Qui te dit que ce sera 0,5? Aucun économiste sérieux, et comme tu en as, je retire évidemment ce que tu as dit, on peut dire à 15 ans que la productivité du travail sera telle valeur ou telle valeur. Maintenant que le corps, qu'on critique les scénarios du corps sur le fait qu'il fixe ça comme une sorte de règle absolue, est aussi tout à fait légitime. Mais de là à dire soi-même qu'on a une vision claire de ce qui va se passer, voilà, je veux dire, je redeviens, je crois à la foi en Dieu et l'économie. Vous vouliez poser une question. Ah, bon.
Après ici, Maxime. J'avais juste une question sur en tant qu'économiste. Ça fait 15 ans qu'on fait toutes les projections du corps avec une hypothèse de taux de croissance de salaire réel égal à la productivité. Bon, c'est un cadre théorique. Bon, et en fait, c'est un cadre théorique rassurant, et ce qui a permis aux personnes qui ont fait des projections sur 20 ou 30 ans de s'appuyer sur quelque chose qui est assez stable dans le temps, taux de croissance, productivité du travail, ça était 2%, c'est bon. Si on regarde ce qui s'est passé depuis que le corps fait des projections, c'est-à-dire depuis 2002, la productivité du travail a continué à augmenter beaucoup plus rapidement que les salaires réels. Bon. Donc, à mon avis, il y a une interrogation sur la manière dont les économistes posent la question des ressources, etc., notamment dans un cadre de chômage élevé qui pèse très fortement sur les salaires. Enfin bon. Et donc, là, il me semble qu'il y a matière à réflexion pour des économistes sur ces équations de base. C'est un peu avant le débat sur la retraite. C'est fondamental. Ça serait bien que les économistes réussissent à éclaircir l'horizon là-dessus. Mais si j'ai bien compris Jean-Hervé, ça fait 50 ans qu'ils essaient. Oui. Ça, les économistes, tu sais très bien, savent peu de choses. Mais bon, la question est quel est le problème qui va se poser dans les années à venir. Et tu es d'accord avec moi que la question qui va se poser dans les années à venir n'est pas qu'en raison d'une très forte hausse des salaires réels, il va y avoir un décrochage. Et le problème que nous allons avoir là, dans les 5 ans, dans les 10 ans, c'est que le salaire réel risque d'augmenter très peu, surtout que... dans la période récente, la productivité du travail, on ne sait pas ce qu'elle fait tendanciellement, mais on sait qu'on n'a pas récupéré au moins 4 points de la crise, et donc le risque, c'est que les salaires réels vont progresser moins que la productivité, et donc le problème, c'est qu'on va avoir du mal à financer les retraites, et non pas on va avoir des excès de ressources parce que les salaires vont augmenter. Donc c'est ce que... Bon. Et je suis d'accord que je n'ai rien à dire sur 2040-2060, sinon que le petit sentiment que j'ai, c'est qu'on trouve pas mal d'économistes, notamment aux États-Unis, qui disent qu'on aura du mal à retrouver une forte croissance de 2% de la productivité du travail. Oui, j'avais deux petites questions pour Monsieur Blanchet. Vous avez fait référence, vous avez dit à un moment donné que le gel des indexations n'avait pas de conséquences. Alors j'ai peut-être mal compris, mais je voulais être sûr d'avoir compris ça, puis surtout pourquoi est-ce que vous disiez ça. Et puis aussi, deuxième chose, c'est que effectivement, vous l'avez écrit au niveau des réformes, ces réformes il y a, elles ne pourront pas aller sans remise en cause de certains avantages acquis. Vous faites référence plus précisément à quoi? Sur les deux questions, sur la première, effectivement, il y a un malentendu, parce qu'au contraire, mon argument, c'est que bloquer, indexer l'ensemble des paramètres du système de retraite sur les prix plutôt que sur les salaires, c'est ça qui génère... Oui. D'accord, mais j'ai peut-être une négation qui est dans une phrase, je ne sais pas. Sur la remise en cause, bon, c'est un peu une formule un peu finale comme ça, mais enfin, si la réforme est à somme nulle, de toute manière, on peut pas forcément, il y a des évolutions négatives et des évolutions positives. C'est un peu difficile à identifier ex ante, justement, on rejoint toujours la question de la complexité du système. Hein, on part d'un certain état des lieux, on fait évoluer vers un autre état des lieux, c'est pas toujours facile de savoir au départ qui va gagner, qui va perdre à telle ou telle réforme. On a
on a un peu des soupçons, mais c'est, ça serait à creuser davantage. Bon, c'est, bon, on pourrait être plus explicite sur public-privé quand on avait travaillé pour le corps sur le rapport compte-national, justement, parce que c'est ça le gros sujet. Si on évolue vers un système complètement uniformisé public-privé, on se dit, ben voilà, le public va en pâtir par rapport au privé en partant de l'a priori que les retraites du public sont plus avantageuses. In fine, sur cette question, et c'est un peu la conclusion à laquelle j'étais arrivé à l'époque, in fine, notamment après ce qui a été trouvé dans le cadre du rapport Moreau, je suis devenu beaucoup plus agnostique sur la question, mais ça renforce plutôt ma conviction que voilà, le système est tellement complexe qu'on n'arrive plus à savoir où on en est. Et par rapport à ça, je trouve que ça, c'est vrai que ça serait globalement plus sain par rapport à ce soupçon d'inégalité de traitement toujours au profit du voisin. On dit finalement public-privé, je ne sais pas qui est gagnant actuellement, mais essayons de converger vers un système commun de telle sorte que la question ne se pose plus. Et on lèverait une hypothèque importante pour la société française. Alors pour revenir aussi sur d'autres points, sur l'incertitude sur la croissance, ben effectivement ma position c'est un peu dire moi non plus je sais pas trop ce que sera la croissance, même si je pense plutôt du côté Sterndyniac, ce que sera la croissance à 2030 ou 2040, mais justement essayons de concevoir un système pour qui cette question d'incertitude soit moins un problème. C'est un système qui se comporte à peu près de la même façon, quelle que soit cette croissance. Le problème de la retraite, c'est un problème de partage d'un gâteau entre deux groupes de population dont les tailles évoluent différemment. On pourrait, au moins à minima, c'est un scénario de référence, imaginer un système dans lequel ce problème de partage se résolve de la même façon en termes relatifs que demain le gâteau soit 1,5 fois plus gros qu'aujourd'hui ou deux fois plus gros. Donc c'est un peu ma position de départ. Ensuite, c'est le pilotage qui fait ça, hein, parce que l'idée c'est de garder du pilotage. S'il s'avère en 2030 que finalement tout le monde se sent à l'aise, etc., et qu'on peut y aller, et que c'est finalement on a été un peu trop fort dans la restriction sur les retraités, ben, il est toujours facile de remettre ça en cause. Mais à nouveau, ça sera plus facile dans le cadre d'un système où s'il y a du mou à redonner, le problème, c'est à qui est-ce qu'on en donne le plus. Et si vous avez un système un peu uniformisé, où vous avez des paramètres globaux qui permettent de dire, ben voilà, je redonne du mou, et voilà, j'ai une façon d'en redistribuer qui va profiter de façon à peu près comparable à tout le monde, ou de façon préférentielle à telle ou telle catégorie de moins avantagée, ça sera un système nettement plus propre et plus acceptable. Sur l'hypothèse, alors par contre, enfin pour revenir quand même un peu sur la remarque, sur l'hypothèse de stabilité du ratio salaire, dans le cas de la France, c'est vrai que l'argument du corps, c'est de dire depuis 20, maintenant presque 30 ans, la part des salaires dans le PIB est à peu près stable. Dans le cas de la France, et puis en plus, ça recoupe une des règles de la croissance, enfin des modèles de croissance, donc on se dit c'est bien, la théorie nous valide aussi cette hypothèse. C'est vrai, mais là, ça pousserait plutôt pour le pessimisme. C'est vrai que là-dessus aussi, il y a une petite exception française. Hein, quand il y a le rapport sur le partage de la VA, on voit que cette fameuse règle des modèles de croissance équilibrée, il y a plein de pays dans lesquels c'est pas bien appliqué et la part des salaires dans la valeur ajoutée a plutôt été décroissante. Et donc si c'est ça qui se réalise pour la France, ça penche plutôt pour scénario C prime, et un peu pire que le scénario C prime si la base de financement des retraites, ça reste que les salaires. Est-ce qu'il y a une question au fond? Oui, juste une remarque qu'on a évoquée tout à l'heure. Merci. Oui, vous avez évoqué tout à l'heure les problèmes des jeunes qu'on ne pouvait pas comparer, ce qui est vrai d'ailleurs à un jeune qui avait des difficultés à avoir tous ses trimestres parce qu'il avait une carrière mouvementée, des difficultés à trouver du travail, et un jeune qui lui aurait des problématiques d'allongement de durée de travail parce qu'il a fait des études. Je me demande juste si dans les années qui viennent, voire déjà maintenant, on n'a pas à la fois des jeunes qui font des études et qui ont du mal à trouver du travail, et pour eux, pour avoir leur trimestre, ça va être encore plus compliqué, malheureusement. Et toujours par rapport à cette histoire de trimestre difficile à avoir, je pense à la catégorie des gens qui travaillent dans le privé. Aujourd'hui, on allonge la durée de cotisation, soit en nombre de trimestres, soit en âge légal. Mais je travaille dans le privé, j'observe que les employeurs du privé, quand même ils ont des situations financières très convenables, ne sont pas très ravis de garder les salariés au-delà de 62 ans, voire il y a des plans pour qu'ils partent avant. Donc ça, un jeune qui fait une étude Bac plus 5, en gros il commence à travailler à 23 ans, on ajoute 43 ans de travail, ça fait 66. Est-ce que mécaniquement, dans le privé, et là c'est peut-être une différence avec le public, quand même le salarié le souhaiterait, il aura la possibilité de travailler pour avoir ses annuités. Et je crains que, quand on parle de taux de remplacement, c'est sous-entendu, si on a ses annuités, de plus en plus de salariés soient obligés de partir à la retraite alors qu'il n'aura pas ses annuités, et je dis bien indépendamment de sa volonté. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, enfin, vous avez raison, c'est un thème qui a été développé. Maintenant, il faut voir qu'on raisonne pour dans 40 ans,
Et on ne sait pas exactement quelle sera la situation dans 40 ans. Peut-être que dans 40 ans, on peut espérer, la situation du marché du travail en France sera quand même meilleure, qu'on aura pu mettre en œuvre des politiques pour maintenir les seniors au travail, puisqu'on a des exemples dans les pays scandinaves où ça marche de manière correcte, sans pas dramatique, etc., puisque voilà, où les gens restent au travail dans des conditions favorables. Donc, c'est sa première réponse. Deuxième réponse, totalement différente. Peut-être que dans 40 ans, effectivement, on se dira, ben, après tout, c'est pas la peine de forcer les gens jusqu'à travailler jusqu'à 66 ans parce qu'on est dans une société d'abondance, ou, etc. Et à ce moment-là, on pourra revenir parce qu'on est dans un système social et dire, ben voilà, on pourra rester à 62 ans et revenir sur les 43 ans. C'est quand même un système social qu'on peut gérer. Donc il y a deux possibilités qu'on verra au cours du temps. C'est vous, les jeunes, qui déciderez. Le système, il est quand même évolutif. Hein. Mais on a quand même, je veux dire, quand on compare la France, par exemple, à la Suède ou à la Finlande, qui sont des pays corrects, on a quand même des taux d'activité qui sont un peu bas pour les 55-65 ans. Donc il y a quand même des choses à faire. Tout à fait. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, ça a beaucoup changé en 4 ans. Et là, la représentation mentale qu'ont l'ensemble des acteurs sociaux est importante. Il y a 10 ans, l'âge de départ, c'était 60 ans. Donc on essayait de faire partir les pré-retraites, c'était à 57 ans. Maintenant, progressivement, on est passé à 62 ans. Dans 10-15 ans, on sera probablement à 65 ans. On cherchera peut-être à faire partir à 63-64 ans. On a gagné plus d'un an depuis 2010 en termes d'âge effectif de départ en retraite. Donc, c'est des changements extrêmement forts, extrêmement rapides. Donc, à l'horizon que vous évoquez, les comportements sociaux peuvent changer. Ah non, mais moi, je parle pour le court terme. Hein. Aujourd'hui, on voit des gens qui sont contraints de partir à la retraite, déjà aujourd'hui, alors qu'ils n'ont pas le taux plein, et c'est pas de leur volonté. Dans les grandes entreprises, je parle pas des PME ou TPE, je parle des grandes entreprises qui ont des plans pour que les gens partent avant. Et... Les 43 ans ne s'appliquent pas à eux. Hein. Oui, non, mais les générations d'aujourd'hui, ils ont peut-être pas tous un bac plus 5, mais il leur faudrait quand même travailler jusqu'à 63, 64 ans pour avoir le taux plein. Ils sont quand même obligés de partir à 61, 62. Et peut-être avec un éclairage d'Annie Jolivet, qui est juste derrière vous, qui a justement travaillé sur l'emploi des seniors avec des évolutions divergentes sur les dernières données, où on aurait une augmentation du taux de chômage et du taux d'emploi. Donc, Oui, quelle est la question Non, je suis la discussion depuis tout à l'heure. J'avais la même question que monsieur. Dans les discussions qu'on a eues, enfin Didier Blanchet a évoqué ça aussi. Je me demande si on intègre suffisamment la proportion de gens qui n'atteindront pas le taux plein dans les générations futures. Je me souviens que pour la CNAV, il y avait une estimation qui montrait que ça montait quand même à 30 ou 40% des générations nées à partir des années 70. Alors, je ne sais pas ensuite comment intégrer ça dans la réflexion, mais c'est vrai que c'est problématique parce que ça renforcerait un éventuel décrochage du niveau de vie des retraités. Et je ne sais pas si dans la façon dont on fait les projections, on arrive à intégrer ce décalage dans les comportements. De même que je trouve qu'on arrive difficilement à intégrer le décalage dans le report de l'âge effectif, puisqu'on est passé à 62 ans en âge légal, mais c'est pas encore totalement appliqué. Ça le sera à partir de 2017, si je me trompe pas. Donc, ce qui veut dire qu'on est encore sur des générations qui partent avant. Je sais pas si je réponds à la question d'Hélène, hein, mais enfin voilà, l'interrogation, c'est de savoir comment on intègre ce comportement. Oui, la dernière chose, c'est
Moi, je regarde régulièrement les âges effectifs de départ, les âges moyens qui sont publiés. Et une chose qui, moi, me pose difficulté, c'est qu'on en a qui sont publiés pour la CNAV, on en a qui sont publiés un peu ou prou pour la fonction publique, mais on n'a pas de vision d'ensemble sur ce qui se passe pour tous les retraités qui partent en France indépendamment de leur régime. Et donc, le fait d'avoir des statistiques qui sont globalement par régime, et généralement, d'ailleurs, pour les principaux régimes, c'est un peu difficile d'avoir une vision un peu à jour de la façon dont les comportements évoluent. Alors, est-ce qu'un jour on aura un âge moyen pour l'ensemble des retraités, puis évidemment une répartition, alors que ça existe dans d'autres pays? La Finlande, qui a quand même plusieurs régimes encore, elle publie des chiffres qui sont globaux. Alors pourquoi nous on n'arrive pas à le faire encore? J'en profite du coup. Faites une réaction de Didier en clôture. Bon, moi, sur la première question, je peux répondre factuellement. Là, les premiers chiffres que j'ai présentés, là, issus d'une étude d'Anthony Moreno, c'était fait sous l'hypothèse de départ au taux plein. Donc là, vous avez la réponse. Mais ceci dit, c'est pas bon. C'est publié dans un 4 pages, donc il y avait déjà beaucoup de choses à raconter dedans. Le modèle qui est utilisé permet de simuler d'autres hypothèses. Donc effectivement, on pourrait faire des hypothèses avec un certain nombre de gens qui sont obligés de partir avant ce taux plein. Et donc le résultat en termes de projection financière globale, ça serait pas beaucoup plus très différent, parce que vous auriez des gens qui partiraient plus tôt avec des plus petites retraites. Donc davantage de retraités, mais une plus faible retraite moyenne. Par contre, en termes de niveau de vie relatif de ces retraités ou de taux de remplacement, ça conduirait bien à des résultats plus bas que ceux que vous avez. Donc probablement aussi davantage de dispersion, parce que ce phénomène affecterait les individus de façon inégale. Oui, une dernière réaction, mais vraiment la dernière, et sur le taux d'emploi. Oui. D'avoir un tableau un peu apocalyptique sur le thème, il n'y a aucune information, aucun indicateur. Il y a quand même plusieurs indicateurs, même qui ont été cités, qui font déjà l'objet de publications dans les publications de l'Adresse, dans les publications de l'INSEE, dans les même en annexe des lois de financement de la sécurité sociale, la DSS reprend un certain nombre d'indicateurs dans les fameux PQE qui reprennent également des taux de remplacement par génération, des âges de régime, etc. Donc j'ai l'impression que la question elle est plus aussi en termes de présentation et de communication institutionnelle, enfin de publicité qui est faite autour de ces indicateurs. Et peut-être là, ça peut être l'occasion de rappeler la dernière loi de réforme des retraites qui a peu été évoquée, mais donc on verra l'application, mais c'est un peu l'idée qu'a mis en place la loi avec le comité de suivi qui rendra un avis annuellement chaque année en juillet, et juste avant cette phase, un document annuel du corps qui justement a cette mission de standardiser, rassembler ces indicateurs annuels. Essentiellement, en reprenant des choses qui existent déjà, mais du coup, en leur donnant un cadre, un cadre peut-être plus visible. Donc, on part pas de zéro. La réflexion théorique, elle a déjà été commencée. La réflexion statistique également. Et donc, c'est plutôt un processus qui aboutit plutôt qu'un quelque chose qui doit être commencé maintenant. Oui, c'est le système. C'est quand même un des domaines dans lequel il y a le plus d'informations. Hein. Si vous allez voir sur le site du corps, il y a chaque année un document qui est joint au budget sur la retraite dans la fonction publique, qui est également extrêmement utile. Il y a chaque année, il y a la retraite en 2014 ou en 2013 qui vient de sortir et qui est également un document extrêmement utile. Donc, il n'y a pas de déficit d'information. Bon, mais sur ce, on vous remercie et on se retrouve le 14 mai sur la question des transferts. C'est une étude qu'on a menée avec Hippolyte Dalvis, qu'on a démarré l'année dernière avec l'aide du Commissariat Général à la Stratégie et à la Prospective, qu'on actualise sur la période 2005-2010. Donc on va enfin savoir s'il y a une génération qui est sacrifiée.